la capitale colombienne accueille en cette fin d'année un événement inédit. On va voir un show de lumière de stature internationale. Pour ouvrir officiellement l'année croisée France-Colombie, la fête des Lumières de Lyon s'est déplacée à Bogota. Vive la France! Bienvenue! Vive Bogota! Et maintenant, profitons du spectacle! Plus de 400 événements sont prévus en 2017 dans les deux pays. D'abord, il y a déjà d'intenses relations entre la France et la Colombie. Et vous savez que la France, pour renforcer ses liens avec un pays, organise des années croisées. Et ça vient à un moment où la Colombie est en train de réussir une réconciliation qui a demandé un travail extraordinaire. Donc nous sommes très heureux que cette année croisée soit consacrée justement à la Colombie. Des échanges culturels et économiques qui tombent à pic, alors que la Colombie vient de mettre fin à un conflit interne vieux de 52 ans. Sur la façade du palais de justice, ces flammes ont été un jour bien réelles. Regarde, un bateau! Mais le spectacle rend surtout hommage aux richesses du pays. Coup d'envoi réussi. J'ai bien aimé les lumières de Lyon. C'était génial. Très innovant, merveilleux. La saison française en Colombie s'étendra jusqu'en juillet, puis ce sera au tour des Colombiens de faire connaître leur culture en France la deuxième partie de l'année. C'est la fin.